Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Crépuscule. Alors tout d'abord, ce que vous devrez faire, c'est parler au personnage Crépuscule qui se trouve juste ici sur la map. Donc je vous le montre, c'est à côté de Lazy Lake, donc juste ici. Donc rendez-vous à cet emplacement et ensuite parlez au personnage Crépuscule pour accepter la liste des défis. Donc là, j'ai 5 défis à réaliser. Donc le premier défi va me demander de sonner à une porte jusqu'à ce que la sonnette se casse. Alors là, les sonnettes, vous allez pouvoir en trouver dans les villes comme Red Hyrule, Lazy Lake, Pleasant Park, sûrement Bellevue Beach. Ah non, peut-être pas parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de maison. En tous les cas, à Lazy Lake, Red Hyrule et Pleasant Park, vous allez pouvoir en trouver. Genre, les maisons qui sont là, ben, en fait, elles disposent d'une sonnette à l'entrée. Donc là, je sais qu'il y a une petite maison. Normalement, il devrait y avoir une sonnette là aussi. Voilà, donc là, genre, il y a une maison. Donc vous allez devant la porte d'entrée de la maison. Oh, shit. Attention, attention. Ok, c'est bon. Il m'attaque pas, tant mieux. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré, 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 jusqu'à temps que la sonnette se casse. En fait, faut insister. Hein. Faut sonner, 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 jusqu'à temps que la sonnette se casse. Donc, dès que vous aurez terminé ce défi, vous allez devoir faire un deuxième défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire 30 secondes après avoir atterri. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement relancer une partie. Ensuite, vous sautez dans la première ville qui se présente au départ du bus. Donc là, le bus, il faisait cette trajectoire. Donc, j'ai sauté à Red Hyrule. Ensuite, ce que je fais, c'est que je cherche après une arme et je cherche après un adversaire. Donc là, il y a un adversaire. Il sera moins vite que moi sur l'objectif. Donc là, hop, sur une arme. Donc là, hop, je prends une arme. Donc là, j'en trouve pas. J'ai pas de chance. Ok, j'ai trouvé une arme. Vous avez 30 secondes pour infliger des dégâts à un adversaire. Donc là, il y a un adversaire tout près. Voilà, il est là. Hop, ce que je fais, eh ben, c'est que je lui inflige des dégâts. Normalement, ça fait moins de 30 secondes que j'ai apparu. Donc logiquement, ça devrait valider le défi. Ok, ça valide bien le défi. Donc quand vous avez réalisé ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts avec un pistolet, avec des pistolets à des cibles situées en dessous de vous. Donc il va falloir trouver un pistolet. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais chercher après un pistolet. Farmer en même temps des matériaux parce qu'en fait il va falloir infliger des dégâts à un adversaire qui se trouve en dessous de vous. Donc il va falloir être en hauteur pendant que l'adversaire est en dessous de vous. Donc là je n'ai pas trouvé encore de pistolet donc je vais en chercher. Ok, donc là je viens de trouver un pistolet. Donc ce que je vais faire c'est directement monter en hauteur. Hop, hop. Et là je vois qu'il y a un ennemi juste en dessous de moi. Donc là c'est parfait. Où est-ce qu'il est? Je vais rester ici en hauteur jusqu'à temps qu'il sorte de sa petite cachette. Il est en train de se soigner, ok. Après, si vous avez trop de difficultés à réaliser ce défi, vous pouvez aller le faire en foire d'empoigne. Bon, là, je pense que le mec, il est pas très très chaud de sortir de sa cachette. Hein. Je vais quand même l'attendre jusqu'à temps qu'il sorte. Il va bien sortir un jour ou l'autre. Ok, il est sorti, mais il est re-rentré. Le petit filou. Ok, donc là, il est ressorti. Je lui ai infligé 35 de dégâts. Et pour terminer le défi, vous allez devoir lui infliger 75 de dégâts. Ok, donc il est là. 50. Normalement, j'ai infligé assez de dégâts. Donc normalement, je devrais finir le défi. Là, je vois qu'il ne se valide pas. Ah si, c'est bon. Il s'est validé. Parfait. Je vais le terminer avant qu'il me tue. Ok, j'ai eu de la chance. Il a failli me tuer. Donc maintenant, le quatrième défi va vous demander de réussir une élimination au pistolet mitrailleur ou un fusil à pompe dans les détours. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rentrer dans les détours Fortnite. Donc les détours, c'est les gros ronds que vous voyez apparaître sur la carte. Donc ça a des apparitions aléatoires. Donc là, par exemple, c'est à Misty Midon. Le nom de la ville est en orange pour bien préciser qu'il y a un détour. De toute façon, on le voit. Si vous voulez, vous pouvez aller dans ce détour-là ou alors il y a d'autres détours que vous pouvez créer. Genre par exemple, ici, il y a un détour. Là aussi, il y a d'autres détours. Donc, il y en a 3 qui apparaissent par partie. C'est des spawns aléatoires et ils changent à chaque fois d'emplacement dès qu'il y a une faille. Donc, c'est une anomalie de détour. Dès que l'anomalie de détour est terminée par un adversaire, il change d'emplacement. Alors,
Ce que vous allez devoir faire, c'est réussir une élimination au pistolet ou au pistolet mitrailleur ou au fusil à pompe. Donc là, j'ai un pistolet mitrailleur, donc ça tombe bien. Cependant, je ne sais pas si c'est une élimination d'un adversaire ou si c'est simplement tuer un monstre. Donc on va essayer de voir si c'est tuer un monstre ou si c'est carrément faire une élimination d'un autre joueur. Si c'est faire une élimination d'un autre joueur, je vous conseillerais de relancer une partie. Mais de toute façon, on va tester ça tout de suite. Ok, donc j'entends que dans le détour, ça tire. Donc s'il y a un adversaire, on va pouvoir l'éliminer. Mais d'abord, on va essayer d'éliminer un zombie. Là, voilà. Ok, il suffisait juste d'éliminer un monstre ou un zombie pour terminer le défi. Donc rien de très compliqué. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est achever un adversaire KO avec un outil de collecte. Alors là, pour ce faire, ce que vous devez faire impérativement, c'est de lancer en duo, section ou trio. Parce qu'en fait, quand vous mettez un adversaire KO, il ne reste pas en PLS. Donc, vous êtes obligé de le faire à plusieurs pour réaliser ce défi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une partie en duo. Je vais ne pas combler et je vais aller dans la première ville qui va me proposer. Ok, donc là, j'ai été dans la première ville que le bus m'a proposé parce que c'était le début du bus. Donc là, ce que je vais faire, c'est directement trouver une arme le plus rapidement possible et infliger des dégâts et tuer un adversaire le plus rapidement possible. Ok, donc parfait, j'ai une arme. Je vais quand même mettre de la popo parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, je suis paré pour aller... justement, regardez, là, il y a un adversaire. Voilà, ok, je l'ai mis KO. Donc maintenant que je l'ai mis KO, ce que je dois faire, c'est de le finir à la pioche. Attends, il va me le finir, lui, il va me le finir, je le sens. Ok, donc lui, je l'ai mis KO maintenant. Attends, d'abord, je vais finir celui-là parce qu'il a presque plus de vie. Voilà, après, je peux finir celui-là aussi, mais rien d'obligé. Mais voilà comment vous devez éliminer un adversaire avec un outil de collecte. Donc vous devez le finir avec votre pioche, mais pour ça, il faut le mettre en PLS. Et pour le mettre en PLS, donc KO, eh bien, en fait, il faut aller en duo, trio ou section. Ok, vas-y, c'est friqué ici ou quoi? Ils ont pas d'armes. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.